francophonie, donc, certes, a ses racines dans la très belle langue française, mais au-delà de ça, elle a acquis une connaissance et une puissance universelle que nous saluons. Or, je voudrais remercier de nouveau tous les autres collègues du CAF. Elles ont su mettre l'accent sur des colloques et des séminaires de caractère académique, que ce soit les acquis de Pascal ou demain des deux siècles de la francophonie et des rapports entre l'Égypte et la France, mais aussi elles ont su toucher du doigt directement la manifestation des peuples. Et nous en sommes à la troisième mouture de cette organisation qui amène l'idée des métiers, l'idée que l'expression par la cuisine, par la danse, par les ouvrages d'artisanat sont une partie intégrante de la culture et pas seulement la littérature ou la peinture, etc., que nous connaissons si bien comme des manifestations culturelles. Madame la directrice, je vous remercie particulièrement d'avoir choisi mon pays comme invité d'honneur et de permettre ainsi à la Côte d'Ivoire d'exposer la pole position qui lui est procurée par ses paysans, artisans et cadres modernes, notamment en matière de production de cacao, d'anarcade, de caoutchouc, d'huile de palme, de bananes, d'ananas et de mangue, mais aussi dans le secteur des tiques. Chers membres du jury, chers adversaires et chers collègues, chère assemblée, bonjour. Nous, les membres de l'équipe de l'opposition, nous affirmons que tout enfant mineur doit avoir accès à un réseau social. Je vais essayer d'accentuer nos points de vue en vous présentant plusieurs idées efficaces et incitatives. Tout d'abord, nous sommes complètement convaincus que les réseaux sociaux profitent des enfants mineurs. On va défendre trois causes. La première, c'est que les enfants passent beaucoup de temps à chatter sans y rendre compte. Les jeunes négligent le temps dont ils ont besoin. Le débat est en train de faire peu à peu ses premiers pas en Égypte. Pense-moi, je rêve vraiment. En regardant la scène théâtrale, j'étais médusée de la créativité époustouflante. Je pouvais, j'aurais écrire sur cette matinée à Alexandrie. Je dirais que l'humanité se réhumanise dans ce pays du berceau de l'humanité. Une matinée au bord de la mer, inspirant le vent et regardant les oiseaux battre leurs ailes quand ils décollent. La mer de ce jour est chaude et vaporeuse. Nous sommes les caravaniers égyptiens. Ska jamirangum no bon fadik fal yama di senghor. Ska jamirangum no bon fadik fal yama di senghor. Ma chère Arbest, sachez que moi aussi j'en ai une. Il est vrai que je suis informe, incompréhensible. Mais alors qui suis-je? Je suis le gribouillis,
le gris bouilli. Bon, alors vous me faites un résumé par oral et en silence de ce que Madame Lamouche vous a dit et moi je vais aller téléphoner pour avoir le programme. Attention, c'est parti. La francophonie n'est pas uniquement la langue française, mais elle renvoie aussi aux droits et aux valeurs fondamentales de la liberté, de fraternité, de partage et de solidarité. Et je vais présenter Pascal comme un homme qu'on connaît bien et qu'on ne connaît pas. Et parce que le français s'est dispersé, il est désormais confronté partout à la pluralité. Cette langue qui, au gré de ses pérégrinations, a exercé différents types d'influence et également s'est enrichie au contact d'autres langues dans des métissages féconds. وهذا المؤتمر بينظم من خلال مركز الأنشطة الفرنكفونية بمكتبة الأسكندرية وهو ينظم للعام التاسع وذلك حرصا من المكتبة على تغطية كل الأنشطة المستمرة للمجتمع الفرنكفوني على المستوى المحلي والمستوى الدولي وأيضا حرصا من المكتبة على أن تكون دائما مركزا محوريا لنشر الثقافة الفرنكفونية من خلال ما تقدمه وتناقشه من أمور وقضايا مختلفة. Merci aussi la bibliothèque Alexandrina et notamment ce très dynamique centre des activités francophones, l'agence universitaire de la francophonie de l'Université Saint-Gor, pour l'organisation de ce colloque qui chaque année vient ouvrir le mois de la francophonie, comme vous l'avez rappelé. C'est le mois de la francophonie. Il y a une époque où c'était la journée de la francophonie, puis on a fait la semaine de la francophonie, et puis aujourd'hui c'est le mois de la francophonie, donc on aura peut-être un jour une année de la francophonie. Mais en tout cas, ça montre à quel point la francophonie est dynamique et inspirante quand on peut y consacrer un mois entier. Votre présence est une indication que vous êtes parfaitement au courant de l'importance des relations franco-égyptiennes. La relation forte entre la France et Misr. La relation entre nous et vous est une des plus fortes relations dans le monde du Moutawassit. Et il va rester le livre Wasf Misr, une façon de prouver cette vérité que personne. Passer cette occasion sans organiser, sans structurer, sans construire quelque chose entre la France et l'Égypte. Et donc depuis maintenant des mois et des mois, nous travaillons à cette année culturelle France-Égypte pour commémorer ce qu'a représenté symboliquement, politiquement, diplomatiquement, économiquement cette réalisation qu'a été le canal de Suez. Ce que représente le canal de Suez dans la relation entre la France et l'Égypte. Je suis la grand-mère du canal. Je suis l'antiquité du canal. Encore, hein, encore 3 ans, hein, et je mettrai 3 chiffres à mon âge. La période culturelle était extrêmement florissante. Tout le monde devait parler français et tout était en français. Le partenariat avec la France ne s'arrête pas aux missions archéologiques françaises en Égypte, mais à un grand nombre d'expositions dans les deux sens. François Sagan, la vocation de François Sagan en tant qu'écrivain s'est manifestée très tôt. À l'âge de 2 ans déjà, elle s'emparait des livres, de n'importe quel livre qui tombait sous sa main, le tenait dans le sens inverse et essayait de lire. Nous avons eu 42 étudiants de 7 universités, Benha, Beni Souif, Tanta, Assyout, Fayoum, Zaazi et la cité de Sadet. Alors 7 universités en 42 étudiants, bravo à vous tous, bravo pour votre patience, bravo pour votre présence. Je sais que c'était des journées longues, un peu fatigantes, mais j'espère que vous avez appris, que vous avez découvert,
que vous avez travaillé ensemble, que vous avez aussi profité d'Alexandrie et que vous avez profité et visité plusieurs lieux touristiques à Alexandrie. Alors, depuis 2019, notre collaboration n'a cessé de se renforcer, notamment lors de l'événement que nous célébrons aujourd'hui, qui est la Journée internationale des professeurs de français. Eh bien, à ce moment-là, les activités ont été renforcées, notre collaboration a été renforcée. Certainement, surtout avec la collaboration pour le cinéma méditerranéen. On avait commencé ici, puis quand j'étais au Caire, vous avez commencé au Caire avec moi aussi. Et les élèves aiment beaucoup et puis nous sommes sponsors de vos activités. Amoureuse de l'Égypte et des Égyptiens, je viens depuis 18 ans en Égypte. On a fait beaucoup de voyages avec les lauréats de concours présentés du CAF parce qu'on est le sponsor de ces activités. Donc on a fait un voyage à Siwa, un autre à Bahreïa et demain on ira au Fayoum, Inch'Allah. De voir toutes ces écoles qui enseignent tous les jours le français. Et je dois dire que j'ai été impressionné par le niveau de ces écoles et par le sérieux et l'attachement à la langue française, ce qui est pour un consul général quelque chose de très confortable d'être dans cet environnement francophone. Alors c'était ma première fois de travailler dans un cadre professionnel et j'ai appris beaucoup de vocabulaire en français puisque j'ai pratiqué mon français. Aujourd'hui, nous a visité un groupe de la bibliothèque d'Alexandrie. C'était à maison, on a fait plein d'activités. On a pris le sens des 10 mots de la caravane et on a aussi joué. Et on a joué aux cartes et on a appris de nouvelles choses. C'était à maison. Pour l'équipe de CAF, je pense que je vous dis merci beaucoup pour vos activités, pour à nous offrir toutes ces opportunités, vraiment sont très enrichissantes et très avantageuses pour nous. لكي يؤكد على الدور الذي يقوم به المركز في هذه المكتبة العريقة في العمل مع الشباب الفرنكفوني أو مع الشباب المقدم على تعلم اللغة الفرنسية.